déjà quelques années, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai voulu retrouver la Bulgarie, qui est le pays de mes parents, le pays où je suis née. Et pour moi, le pays de la nostalgie aussi. J'en suis revenue émue, bouleversée, et avec des bleus à l'âme. Много е трудно за мен да се съдържа сълзите си в този ден, който толкова дълго съм чакала, след толкова години. Les émotions de l'enfance sont toujours les plus fortes et les plus violentes, celles qui vous laissent une marque indélébile. Je me souviens que la première fois où j'étais au spectacle, mes parents m'avaient emmené voir une comédie musicale et c'était absolument magique. Je crois qu'à partir de ce moment-là, ma vie était toute tracée. Ils sont bien quelque part sur le quai d'une gare.
Je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je serais artiste, sans trop savoir ce que ça voulait dire. Mais en fait, c'était être dans le rêve. C'était être quelqu'un d'autre, tout en restant soi-même. Et j'ai pu réaliser ce rêve, justement en imaginant ces grands spectacles pendant des années et des années. J'ai été transcendée par la danse, par les ballets, par cet univers de folie et de tourbillon permanent qui était aussi synonyme de fête. Now, Mr. Gene Kelly. Over the years, MGM has been proud of our illustrious list of stars, and tonight we are about to welcome a new member to the family. Her name? Miss Sylvie Vartan. Musical, musical, tu étais ma vie. Alors, papa, tu comprends que depuis. Thank you.
J'ai fait beaucoup de clowneries avec Carlos. Oh, c'était un compagnon merveilleux, merveilleux. Il faisait tout. Il était ma nounou, mon secrétaire, mon ami, et bien sûr, du haut de nos 20 ans, le monde avait une autre couleur. C'était vraiment un ami extraordinaire. Il faisait partie de la famille. Cette fille là-bas sur le pont, Camélia Giordana, elle a vraiment un truc. Hein. Elle a du chien. Et une voix très sexy. Quand on a chanté 2 minutes 35 de bonheur, il sortait d'un gramophone avec sa voix. Chaque soir, je veux chanter, pourtant je ne suis pas vraiment loin de toi. On a fait plein de choses très rigolotes avec Carlos. C'est une fille qui m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris d'abord à se lever le matin pour travailler. Il était très désorganisé. Il brûlait mes robes. C'est moi qui le réveillais, enfin c'était un secrétaire lamentable. Il aimait beaucoup interpréter des rôles différents. Il était toujours partant. Il m'inspirait beaucoup. On a fait Laurel et Hardy, par exemple. Unique, non? C'était très rigolo, en fourmi, en cigale. C'est plutôt elle, la fourmi. Elle est fourmi et cigale en même temps. Elle est travailleuse. Dis-moi, jolie cigale, où t'en vas-tu comme ça? Je vais vers le midi. On a tout fait. On a tout osé. Moi, j'ai des souvenirs de gueuletons immenses avec Carlos. C'était vraiment un rayon de soleil dans notre famille. Il est capable de se mettre en quatre pour quelqu'un qu'il aime. C'est lui qui, quand David est né, était près de moi, comme toujours. J'ai ce souvenir de quelqu'un de très gai, de très lumineux, de très solaire.